Avant une réunion délicate. Tu penses que Jean-Marc viendra ? Oui, j'espère qu'il viendra. S'il ne vient pas, nous ne pourrons pas prendre de décision. Mais il sera en retard, comme d'habitude. Eh bien, on l'attendra. Tu crois qu'il sera pour notre projet ? Non, je ne pense pas. Il sera probablement contre. Il dira que nous n'avons pas assez réfléchi. Tu verras. Et Philippe ? Il sera là ? Oui, il sera là. Il sera contre notre projet, lui aussi ? Je ne crois pas. Si nous sommes suffisamment clairs et fermes, il ne sera pas contre. En tout cas, il sera intéressé. Alors comment est-ce que nous présenterons les choses ? On pourra commencer par les résultats du trimestre. Tout le monde posera des questions. Cela prendra au moins une heure. Après, nous ferons une petite pause pour le café. Et enfin, nous présenterons notre projet. Si Jean-Marc dit que notre travail est trop superficiel, je demanderai à Philippe son opinion. Je connais Philippe. Il restera très calme. Il nous posera des questions simples et intelligentes. Pour les questions techniques, si tu veux, je pourrai répondre. Bonne idée. Quand tu parleras, cela impressionnera Jean-Marc, parce que tu connais parfaitement ton sujet. Oui, mais si Jean-Marc refuse vraiment ? À ce moment-là, je demanderai à Grégoire de venir. S'il est là, tout le monde l'écoutera, et Jean-Marc fera comme tout le monde. Je vois. Et quand tout le monde sera d'accord, nous sortirons le champagne. Enfin, j'espère que tout ira bien. Je suis un peu inquiet quand même. Mais non, tu verras, tout se passera bien.